Salut les gars, en direct de la Paris Games Week. Donc là on est au jour 2, donc là on est actuellement, on est quel jour? On est samedi. Donc en fait qu'est-ce qu'on a fait? Là il y a eu la soirée presse, donc qui était jeudi soir. Donc on a filmé, c'est là où on a filmé tous les plans que vous avez vu avant, etc. C'était vraiment génial, donc on a pu tester pas mal de jeux. On a testé, Call of Duty, Black Ops 4 notamment, que ce soit en mode multijoueur ou en mode, Blackout. On a pu jouer à Farming Simulator, on a failli essayer des jeux en réalité virtuelle, donc avec aussi un simulateur de voiture, enfin plein de choses comme ça, c'était génial. On a rencontré pas mal de gens, il y a eu une grosse compétition PUBG, et on a rencontré pas mal de gens, que ce soit youtubeurs, il y avait une centaine de youtubeurs au moins qui jouaient, plus après ceux qu'on a pu rencontrer, donc c'est vraiment top. Ensuite, là on est le deuxième jour, donc là il y a énormément de monde, donc on n'est pas venu vendredi, là on est samedi, il y a énormément de monde. Du coup on peut pas filmer grand chose, mais du coup on fait ça, etc. On est passé à plusieurs stands aussi, que ce soit de jeux vidéo ou de PC, etc. On a été par exemple chez Asus ROG, on a pu jouer à, là où on a joué à Call of Duty Black Ops 4 multijoueur. On a été sur PC, des PC extrêmement puissants avec des i7-8800K ou des cartes graphiques 1080. On a pu tester aussi. Qu'est-ce qu'on a pu tester aussi? On est allé sur plusieurs stands, que ce soit jeux vidéo ou bien Twitch, les diffuseurs, ESL. On est aussi passé chez ESL. On a pu parler un peu avec les gérants. On est allé voir ESWC aussi, Twitch. On a vu pas mal de streamers. On est passé à le stream, Millennium. Enfin, on a fait quasiment tous les stands. À la soirée presse, et là du coup on se balade un peu, on va essayer de trouver des cosplays, etc. Vous allez avoir des photos tout de suite, ne vous inquiétez pas. En tout cas c'était génial, on va essayer de continuer de faire des images, et à tout de suite. On a fait le tour un peu du salon, donc là on est le deuxième jour, donc là samedi. Donc là on a fait le tour du salon, on est allé voir dans le hall 3, donc c'est là où il y a un peu toutes les compétitions e-sportives. Donc il y a le SWC, ESL, là derrière il y avait des compétitions donc avec Solary, Predator, etc. Il y a pas mal de marques qui ont fait des collaborations, c'était génial. On a vu pas mal de gros joueurs, genre Brooks, etc. Enfin on va pas tous les citer, on en a vu beaucoup. On continue à croiser des gens d'ailleurs, c'est vraiment cool. Là derrière il y a Mechouet, il me semble que c'est lui, j'étais pas sûr mais je crois que c'était lui. On prend pas mal de photos. Là on continue à marcher un peu, il y a pas mal de stands assez cool. Là on est plus dans l'univers jeux vidéo compétition. Derrière on peut voir l'ESL Arena avec la Paris Games Week. Là-bas il y a le grand salon de l'ESWC avec plein de compétitions. Donc là tout à l'heure il y avait... Il y avait du League of Legends, va sûrement y avoir du Fortnite parce que c'est un peu le jeu du moment. Pas mal de stands ici et je crois qu'on va aller manger. Du coup, à tout de suite. Bon bah les gars, du coup là on était dans la zone Kids, donc la Paris Games Week Kids actuellement. On vient de revenir, donc c'est là où on a pu tester différents jeux d'arcade. On a pu voir des jeux un peu plus destinés aux enfants. Il y avait des activités par exemple d'initiation au codage. Donc on a fait le tour un peu, c'est génial.
Donc là, on revient dans le. On est en train de revenir dans le hall 1. Donc c'est là où il y a tous les gros jeux. Donc vous allez voir dans le montage, on a pris des vidéos de tous les stands quasiment, à part Farming Simulator qui est actuellement ici. Mais en gros, on a tout visité. On a pris des vidéos de tout. Et voilà les amis, c'est la fin du vlog sur Upper Game Switch. J'espère que ça vous a plu, nous en tout cas on s'est éclaté. Et lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur la LRD TV. Ciao.